Bonne condition là. C'est parti pour un gros vol, j'espère. 3002 à 10h30 dans du 3-4 mètres. Ça serait cool que ça fasse 250. Là. Allez, c'est parti. Et là, il y a des skieurs qui se gavent. 3100. Je vais traverser le col Bayard. Ça fait 45 minutes que j'ai décollé. Une moyenne de dingue, c'est fume. Hein. Et j'espère que je vais raccrocher à Charence. Et le petit Sirail XL là, il marche pas mal. Hein. Accrochage de l'autre côté de le col de Mans là. J'ai pris un relais à 100 mètres sol au-dessus du golfe de Bayard. Et là, je suis pas encore bien haut. Allez, 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 allez. Allez. Merde. J'ai pas encore gagné. Hein. Je suis à Aspre. C'est la guerre, la brise est super forte. J'en ai vraiment chié pour arriver à passer au vent. Et maintenant, j'essaye de faire le plat. Ça monte pas grand chose alors qu'il y a un ciel de fou. J'arrive à sortir de la brise là. Et je file vers le nord là. Et c'est le dévolu devant par les faces ouest. Et je vais essayer d'aller jusqu'à Beldon. À cheval sur les crêtes ouest du dévolu. C'est raide, hein? Tiens. Le Grand Ferrand. J'étais à ski il y a un mois ou deux. Et devant, c'est l'Obiou. Là à gauche, il y a Grand Jacques qui a dû décoller de Saint-Til. Le Grand Jacques Fournier. Et on s'est rejoint en l'air. Je sais pas où il va après. Mais c'est dur là, j'avance pas trop. Je sais pas si je vais être dans les temps. 3150 à l'Obiou. Dessous le déco de courte. Olé. J'ai failli me la prendre sur la gueule là. Et voilà. 3150, c'est beau hein. Allez, on va pousser un peu, on est toujours un peu poussé par dessus, c'est bien. Et là il va falloir raccrocher tout là-bas au fond, très très loin. Autant dire que la transition elle est grande. Là c'est l'amour. La transition du Trièvre. Là c'est Grand Jack. Il fait un peu de vol avec moi. Donc moi je suis sur le poireau. Devant. Et c'est l'heure de manger. Là il y a un missile. Je sais pas si je vais arriver à le trouver. Il est là, à gauche. Tout à l'heure, je reculais dedans. Je suis sur le coireau là. Il envoie bien le coireau. C'est un chablat là, ce thermique de merde. Je suis en face est de Beldon là, sur une contre-pente sud. Je sais pas ce qui m'a pris de me foutre là à cette heure-ci. Dans la brise en bas là, qui est super forte de rue et tout ça là, génial. Ça a l'air de ressortir et après je vais me jeter sur l'Alpe d'Huez là-bas. J'aurais quand même bien aimé faire 200 mètres de plus quoi. Ça fait chier. Ah ah ah, il y a peut-être quelque chose ici. Un cheval. L'envers de Beldon comme ils disent. 3000, allez on file vers la Meije et le Lautaré. Et on quitte Beldon. Et voilà dessous c'est l'Alpe d'Huez. Je suis à 2009 et je continue de remonter la Romanche. En face de nous c'est la face nord du râteau et de la Meije. Et le Lautaré il est là-bas au fond avec des aiguilles d'arbres. Il est 16h, je prends encore du 6 mètres intégré des fois. Donc c'est fumant pourvu que ça dure. Vertical le lac du Chambon. Il y a un beau cul en milieu de vallée là, c'est assez marrant. Je vais essayer de le prendre. Je vais pousser un peu. Ça dégueule. Qu'est-ce qu'on voit là ? Passer le plateau Grand Paris, après là, c'est mieux. Là, il faut que je passe cette zone là, la con. 3004 face à la Meije et au râteau, les deux faces nord là. Et le glacier de la Girose. C'est beau hein. Allez, je me casse. Direction. Le petit lac du Ponté je crois, et après derrière le Lautaré, je suis presque en finesse du Lautaré là. Belle les aiguilles d'arbres là. Et là, c'est le Lautaré. Et le galibier ici, et là ça y est. Une fois que j'aurai passé la crête, je serai chez moi. Hey, hey, je viens de passer le Lautaré. Il est juste là. J'enroule des trucs assez bizarres, mais... Plus je vais descendre, moins la brise sera forte et je vais rencontrer la brise d'endurance qui remonte au bout d'un moment. L'objectif c'est de rester haut, parce que si tu te mets pas avec la brise qui descend la vallée, c'est vite la merde. Salut les mecs, désolé je vous pique un bout de thermique, du coup il se casse. Ils vont croire que je les suis.
Mais oui, je le suis. On est à 3002. Je viens de passer de l'eau tarée là. Et le Cisna d'XL, il chante tranquillement. Au bout de 6h30 de vol. Dans un 3,5. Marche nickel ce petit machin là. Du coup, j'ai coupé le son de celui-là, qui me sert juste en backup. Il est quand même vachement plus agréable le son du haut-parleur plutôt que le beeper. Là, ça fait peur. Allez, je tourne à droite. Ah, ça fait du bien quand on est dedans. Hein. Telle entrée, c'était quelque chose. 3006 dans un 6 mètres. Il vient juste de ralentir. Satellisé au-dessus de Briançon. Là c'est bon là. Il est 17h30. J'ai le temps de boucler, c'est nickel hein. Si je fais pas le con, ça devrait boucler 240. Ah, ça fait compter. 3900. Ah ben voilà là, le col de l'Isoire. Hein. Il est presque en finesse. J'arrive à l'Isoire. J'ai perdu une demi-heure dans la vallée derrière là parce qu'elle était à l'ombre de ces gros cumes qui s'étalent. Et j'ai bien failli pas passer. Après il faut que je fasse encore un gros plaf pour aller à Seillac. Il n'y a pas encore un gros plaf pour rentrer. Donc c'est pas encore gagné l'histoire. Et voilà, je viens de faire 3006. Et là je file vers le col fromage là-bas à Seillac. Et il y a un joli gros cume, j'espère que je vais refaire 3006 dessous et forcer face au vent pour rentrer bouclé là-bas. Le dernier thermique à Seillac, c'est magnifique. L'Italie là-bas avec la Nebbia, le pic de Roche-Brune et l'ouest où je vais aller boucler mon vol. Je suis à 3004, je vais essayer de faire le max 3008 au moins pour forcer le Venturi et sortir des gorges du Guil. Putain, les couleurs qu'il y a, c'est démentiel. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une scène de vol comme ça. J'intègre du 3 mètres encore à 19h. Ah, c'est bon ça. 3008. Il n'y a plus qu'à rentrer à 19h. Trop bon. Wouhou. Ça, c'est bon ça. Elle a bien marché la petite Omega X-Alp là. Regardez, il y a trop de vent, je suis à 50 à l'heure là.